Salut Barretti. Eh ben, c'est pas gentil d'avoir déménagé sans prévenir. On s'inquiétait, nous. Je vais tout expliquer. Mais pas besoin. Tu voulais me doubler, c'est ça? Hein? Faire le casse tout seul et empêcher le blé. Tu veux que je te dise, je crois que c'était pas une bonne idée. J'ai jamais voulu te baiser, je te jure. J'avais besoin de pognon, tu comprends? Bien sûr, je comprends. Seulement... t'aurais dû m'en parler avant. Hein? Je sais, j'ai déconné. T'inquiète pas. Maintenant, tout va s'arranger. Hein? On passait notre temps à la faire tourner. On rêvait à des pays inconnus. Oui, on en choisissait un, comme ça, au hasard. Ça y est, on y était. Mais où t'étais passée toutes ces années? Alors attends, voilà, j'étais là, à Cordoba, et là, c'est Rosario, où j'ai rencontré Michel. Ah, oh, c'est bon, te revoir. Mais ça fait combien de temps? Une éternité au moins. Mais c'est ta faute. Il s'est passé tellement de choses. Et pourquoi tu m'as jamais écrit? J'étais loin. Bah, t'aurais pu faire un effort pour la naissance de ta fille. Oh. Je vais te garder la surprise. Ça, pour une surprise, c'est réussi. Tu sais, Michel est très discret. Il aime bien vivre comme ça, loin de tout. C'est son côté sauvage, mais ça me plaît. Je crois que si ça avait tenu qu'à lui, ben on serait resté là-bas. Il a beaucoup d'amis ici. Non, surtout en Argentine. Il connaît plus personne en France. Ça fait si longtemps qu'il est parti. Les gens vous oublient. Bah pas moi. Là, dans la réalité, vous seriez mort. Écoutez-moi bien, Duval. En 40 ans de service, j'ai pas pris une seule balle. C'est la première qui fait le plus mal. Remballez vos jeux vidéo. Moi, je suis payé par l'État pour rechercher les criminels. Commissaire Cordier, il faut apprendre à regarder les choses en face. Votre équipe n'est plus à niveau et moi, je suis payé par l'État pour la remettre au top. Commissaire Cordier. Quand ça? Quand j'arrive. Prévenez Portal et Benamou. Désolé, mais là, j'ai un cadavre qui m'attend. Un vrai. Commissaire, on doit mettre en place un programme d'entraînement. Venez les filles, vous avez raté le gâteau. Jean-Bruno. Je te présente le docteur Verdier, de l'Institut Médico-Légal. Commissaire. Mademoiselle. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a trouvé ce matin, une balle dans le genou, l'autre dans le ventre. Il a dû mettre longtemps à mourir, très longtemps. Ouais, le type qui lui a fait ça devait pas le porter dans son cœur. Ah, finement observé, ça. J'attends votre rapport, docteur. Comptez sur moi. Monsieur le juge, s'il vous plaît. Et non. Tu pourrais même parler de ton ironie. D'accord. Surtout devant le médecin légiste. Oui, bon, d'accord, c'est noté. Il y a quelque chose qui te tracasse? Non, non, je suis ravi. Une belle journée qui commence. Vous connaissiez ce monsieur? Ouais, Gino Barretti. Il crêchait ici depuis pas très longtemps. Il s'est fait buter? À ton avis, il a avalé de travers? Remarquez, ça m'étonne pas trop, hein. Pourquoi? Je sais pas, mais ce mec-là, il avait pas une gueule à mourir dans son lit. Vous avez parlé de ses emmerdes?
Oh, pas un mot, hein. Il me devait 2 semaines de loyer, alors il évitait de me croiser dans les couloirs. Pourquoi vous l'avez pas viré? Si je vous dis que c'est par charité chrétienne, je suis sûr que ça vous fera marrer. Je serais plutôt d'humeur à t'embarquer au bloc, mais... Eh ben, il avait juré de me payer à la fin du mois. Et il disait qu'il était sur le point de conclure une affaire. Quel genre d'affaire? Des genres que je préfère pas savoir. Ouais, bah t'es pas prêt de revoir ton pognon. Hein. Ça, c'est ce qui arrive quand on est trop bon. Je ne vous le fais pas dire. Hé, hey, regarde ça. Ah bah t'as une piste. Vengeance de femme. Ouais, moi, je pourrais pas vivre dans un tel foutoir. Hein. Personne t'a demandé de t'installer. Hein. Ah. Cape 38. Il y a longtemps qu'il a pas servi, dis donc. Ouais, bah... Rien à gratter par ici. Attends. Regarde, c'est de la suie. Bah ouais, alors. Bah... La cheminée fonctionne pas. Mais t'as vu quelqu'un à farfouiller dans le fondu. C'est pas le Père Noël. C'est Barretti. Qu'est-ce que c'est que ça? Des détonateurs. Je n'aime pas ça. Barretti avait un casier. Pas un profil de terroriste. Alors, tu peux me dire quel genre de coup il préparait? Qu'est-ce que j'en sache, moi? Je suis flic. Pas grand marabout. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Rien. Problème de service. Non, sans blague. Qu'est-ce qu'on te veut encore? Et puis, on n'a pas assez de tracas avec les malfaisants. Voilà qui nous flanque dans les guibolles un moniteur de flicaille. Ils appellent ça de la formation permanente. Tu parles. Je suis sûr que ce type a jamais vu un truand de sa vie. Tout ce qu'il sait du boulot, c'est ce qu'il a appris à l'école de police. C'est un gars comme ça qui prétend m'apprendre mon métier. Mais en tout cas, le jour où il te met en short, tu m'appelles. Hein. Je veux voir ça. Non, mais franchement, il y a des fois où je me demande si j'aurais pas mieux fait d'être juge. Bon, écoute, c'est pas parce que t'es en colère qu'il faut commencer à dire des conneries. Bon, tu me poses au palais? Non, 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 j'ai promis à ta soeur de venir la chercher. Toujours pas de nouvelles de sa bagnole? J'ai appelé le commissariat. Paraît qu'ils sont sur une piste. Ah oui? Tu crois à ça? Pas du tout, non. Ça me fait plaisir que vous soyez venu. Sophie m'a tellement parlé de vous. Malheureusement, je peux pas en dire autant. Viens, mon père. Oh, ben, invite-le. Allez, t'es sûr que tu veux pas rester? Non, c'est gentil, j'ai un boulot urgent à rendre. C'est important pour moi. On va se revoir très vite. On va j'espère bien. Au revoir. Au revoir. T'aurais pu venir boire un verre. Oh, tu sais, moi, les mariages, hein... T'es encore dans un de tes bons jours. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, comment il s'appelle? Lui? C'est Michel Becker, le mari de Sophie, pourquoi? Non, rien. Tu le connais? Non, non. Non, j'ai dû confondre. Tu ne dors pas? Si, mais debout dans le salon, ça change un peu. C'est à cause de ce Dumas, c'est ça? Non, écoute, surtout ne me parle pas de celui-là. Tu ne vas pas laisser ce gamin te convaincre que tu es un flic dépassé, hein? Bah, écoute, j'ai peut-être fait mon temps, mais j'arrive pas à me faire à l'idée qu'un jour... Je serai remplacé par un de ces blancs becs. Ne t'inquiète pas, Cordier, parce qu'ils ne sont pas prêts de se passer de toi. Mais je croyais que tu rêvais que je prenne ma retraite. Pour t'avoir tout le temps chez moi? Non, merci. Ouais. Décidément, je ne comprendrai jamais ce qui se passe dans la tête d'une femme de flic. Ne cherche pas trop, tu n'as aucune chance. Tu sais, à force de passer des nuits à s'angoisser, on devient tout un peu bizarre. Et ça te plaît de t'angoisser? Je m'y suis fait. Bon. T'inquiète pas, hein, j'ai la peau dure. Les éléphants aussi. Et ça n'empêche pas aux braconniers de les abattre. Dis-moi, Lucien. Qu'est-ce que tu ferais si un jour tu croisais un revenant? Oh, Santa Vergine. Mais les fantômes, ça n'existe pas. Ben oui. C'est bien mon avis.
Un patron, on a reçu tout le fichier Barretti. Vol qualifié, association malfaiteur, coups et blessures, escroquerie, enfin, un vrai catalogue illustré. Vous voulez que je vous fasse une copie ? Mesdames, je veux que tu me retrouves le dossier de l'affaire Madestin. Madestin, je connais pas, c'est une vieille affaire. 15 ans. Oh là là, des tonnes de formulaires encore. Non, 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 pas de paperasse, hein. Je veux que personne ne sache qui a consulté le dossier. Oh, vous voulez que je fasse comment, moi ? Oh, il fait du charme à la petite archiviste. Oh, elle a de la moustache, elle fait du 44. Ah, personne n'est parfait, hein. Ouais. Balle en plein abdomen, perforation de l'estomac, Barretti a été abattu avec un gros calibre, balle explosive, canon court sans doute, enfin le genre de quincaillerie qu'on n'achète pas au rayon bricolage. Du travail de pro. Ah, mieux que ça, le tueur est un homme raffiné. Avant de se faire liquider, Barretti a reçu une balle à bout touchant dans le genou. Une vraie boucherie. Quelle horreur. Bon, Amélie, faites porter ça au commissaire Cordier. Excusez-moi, docteur Verdier. Il y a quelque chose que je comprends pas bien. Allez-y. Comment se fait-il qu'une jeune femme aussi ravissante que vous atterrisse dans un service de médecine légale ? Vous pensez qu'un laideron serait plus compétent ? Non, mais la compagnie des cadavres... est parfois moins pesante que celle des vivants. D'autres questions ? Non, non. Au revoir, monsieur le juge. Mademoiselle. Mademoiselle ? Vous savez pas aussi macho. Non, mais seulement dans le boulot, Amélie, je vous assure. Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Les flics ont tout ratissé. T'es sûr que Barretti ne t'a rien laissé ? Ah, non, je vous jure. Pas de papier, pas d'armes. Non, rien de rien. Bon. Eh ben voilà, comme ça tu peux continuer tes ablutions. Hein ? Ils ont sûrement récupéré son matériel. Oui, oh, une chance qu'il fasse le lien, Barretti n'avait pas de copie des plans. Puis il n'a pas eu le temps de baver. Alors, qu'est-ce qu'on fait du taulier ? Eh ben, on le laisse sécher. C'est sûr qu'il va la boucler, hein, mon gros ? Oui, ça le coince un peu, là. C'est pas toi et moi, je m'endors. Qui c'est, celui-là, d'abord ? Non, mais tu peux y aller, il est réglo. Je te connais comme si je l'avais fait. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, j'aime pas ça, là. Dis donc, hein. Nous, on n'est pas là pour jouer le minot. Alors tu nous craches le morceau vite fait ou moi, je fais dire dans tout Paris que tu es une balance. C'est dégueulasse, ça. T'as raison, oui. Bon, on va causer. Voilà. Attention, discret, discret. Parce que vu la manière dont Barretti s'est fait cinguer, j'ai pas envie de me retrouver à la première page des faits divers. Bon, on s'emmerde. Tu te répètes, là, Ben. Tu le connaissais, Barretti ? Si, comme ça. Son taf, c'était la Nifro. Les portes blindées, les fourgons. Il bossait pas beaucoup ces derniers temps, il était comme ranger des voitures. 40 ans, c'est jeune pour une pré-retraite. Il avait de l'argent de côté ? Non, c'était pas son genre. Ce type-là, c'était un flambeur. Tout ce qu'il avait, il le brûlait aux cartes. Il aurait mieux fait de se payer une bonne assurance vie. Avec quel pognon ? Il avait des dettes ? Des dettes ? Mais tu rigoles ou quoi ? Barretti devait du pognon à tout le monde. Si ça se trouve, quelqu'un a perdu patience et bam ! Qui ? Je sais pas, moi. Mais t'es bouché ou quoi ? Le monsieur te demande qui ? Tout ce que je sais, c'est que Barretti fréquentait le cercle du Piémontais. C'est de ce côté-là qu'il fallait chercher. Ça va ? Je peux me glisser maintenant ? Alors, inspecteur, pensez la même chose que moi ? À peu près, oui. Une dette de jeu, ça se règle avec moins de raffinement que ça. Eh, mais d'un autre côté, pour commencer à les liquider Barretti, s'il était rangé les voitures. C'est pas ce que disait le taulier. Et puis tu oublies les détonateurs. Non, non. Non, c'est bien ça qui m'ennuie. Bon, ben, faut faire une descente au cercle de Piémontais. Je viendrai avec toi, ça me dérouillera un peu. Ah, patron, ça y est, j'y suis arrivé.
J'ai retrouvé votre dossier, Madestan. Bon, c'est très bien. Mais ça n'a pas été une mince affaire parce que l'autre aux archives, oui, il a non, fallu quand va, même que je... Ah, tu me raconteras tout ça au bureau. Mais attendez, j'ai... Bonjour, ça va, allez. Qu'est-ce que c'est que ce dossier? Non, c'est rien, c'est une vieille affaire. Je te laisse, je vais déjeuner. Ok, tout à l'heure. Pas perdu la main, question chimie. Merci. Ah, tu te débrouilles, toi, hein. Une femme, un gosse, un boulot. Ouais, c'est bien. Comment tu m'as retrouvé? Le type qui t'a vendu ta carte d'identité est un peu trop bavard. Je vois. Tu sais, ça ne me serait jamais venu à l'idée de venir déranger ton petit bonheur si M. Baretti ne nous avait pas quittés si brutalement. Tu veux dire que tu l'as buté? Baretti a payé pour toutes ces conneries. Tôt ou tard, il se serait fait buter pour un brelon de roi. C'est la destinée. J'y peux rien. Je suppose que t'es pas venu pour me parler métaphysique. Je l'ai mis sur un coup. Il a essayé de me doubler, tant pis pour lui. Bon, voilà. Il faut que je me trouve un autre spécialiste en explosifs. Ouais, un type dans ton genre. Un Mozart de la nitro. Écoute-moi, non, ça... Attends, je sais ce que tu vas me dire. Mais il y a un énorme tas de pognon à la clé. Ouais, de quoi te faire oublier pour toujours Michel Madestan. Je crois que tu ferais mieux d'aller chercher quelqu'un d'autre. Alors quoi, tu m'en veux toujours pour cette vieille histoire? J'ai passé 10 ans dans un trou à cause de toi. Et pendant ces 10 ans, j'ai jamais rien craché aux flics. Alors on est quitte, je crois. Je te comprends. Non, tu veux même que je te dise, je t'envie. T'as choisi le meilleur chemin. Dommage. Monsieur Madestan? Pardon? Commissaire Cordier. Vous êtes bien Michel Madestan? Excusez-moi, vous faites erreur. Réfléchissez. Je vous dis que vous vous trompez. Demandez où vous étiez. Eh ben, tu vois, je suis là. Il y a quelque chose qui va pas? Non, non, pas ainsi. Pauline, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu rencontrais un revenant? Ça n'existe pas, les fantômes. Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Bah, à votre place, je serais tombée. Bah oui, mais t'es pas moi. Bon, Pauline, je veux une enquête détaillée sur un certain Michel Becker. Qu'est-ce qu'on a contre lui? Rien. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'enquête officielle? Non, mais je veux tout savoir sur ce type, d'où il vient, ce qu'il fait, ce qu'il bouffe, tout. Et pas un mot, juste. Pas un.
La routine, quoi. Ah, t'as pigé. Ouais, bah, je te rappelle. Patron. Votre fils a laissé un message. Il nous attend chez le Piémontais. Bon, tes affaires, on y va. Il y a un petit problème. Il vous attend depuis une heure. Quoi? Bonsoir, commissaire. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous apporter votre programme d'entraînement. Ah. Comme les pitbulls, vous lâchez jamais, hein? Quelque chose qui ne va pas, commissaire? Pardon? Vous avez l'air un peu nerveux. Moi? Quelque chose qui vous tracasse, peut-être? Merci, mais je suis assez grand pour régler mes emmerdes tout seul. Ça, c'est ce que vous croyez, commissaire. Vous savez, des super flics, ça n'existe pas. Oui, plus je vous vois, plus c'est clair, hein? Si vous avez un problème personnel, commissaire, nous avons une équipe de psychothérapeutes qui pourrait certainement vous... Bon, Dumas, si je deviens cinglé, je vous promets, vous serez le premier au courant. Maintenant, vous me foutez la paix parce que j'ai un boulot à terminer. Ben, je vous attends demain au centre d'entraînement. C'est ça. Au revoir, commissaire. C'est ça. Un psychothérapeute. Ça va? Tu fais chier à laisser traîner des flacons n'importe où, là. Sophie! Qu'est-ce qui se passe, Michel? J'ai peur. Pourquoi? De ce qui se passerait si t'apprenais un jour que je suis pas celui que tu croyais. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime. J'ai confiance en toi, hein? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Par là. Monsieur, monsieur, je suis désolé, c'est un club privé ici. Eh ben, tu vois, j'ai ma carte de membre. Un petit instant. Bonjour, monsieur, dame. Surtout pas d'affolement, tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on perquisitionne, mon gros. Vous n'avez pas le droit? Malheureusement, si. Tu sais dire? Ah ben ça ne vaut plus rien, vous avez dépassé l'heure légale. Révisez votre droit, mon vieux. Chapitre 1, enquête sur la délinquance liée à des activités nocturnes. Qu'est-ce que c'est que ce sera bien? C'est le code de procédure. Et tu peux le croire, c'est le juge. Attention, inspecteur. Là, commissaire. Une paire d'établissements en est ici. Eh oui, justement, c'est ce que j'étais en train de dire à mon collègue. Un biscuit. Ah non, c'est beau ce pavre, hein. Ça, c'est un Coromandel. Fin de l'époque. Oh non, moi, je suis sûr c'est du toc. Attendez. Mais non, pas par là, ce sont les vestiaires. Messieurs. Alors, on s'amuse? Je te conseille de le remballer. Le mien est trois fois plus gros. Oh là. Vous pouvez ramasser le tapis, là, même pas une paire de deux. Et ça, c'est quoi, ça? Des bolivars? Je ne comprends pas. Tu te rends compte, Benamou? Monsieur prête une salle à des amis, dès qu'il a le dos tourné, ils installent un tripot clandestin. On peut plus faire confiance à personne. Hein. Attends, non, si je me retenais pas, je te gifle. Alors. Messieurs. Non, excusez-le, il s'énerve. Inspecteur. Non, commissaire. Oui. J'ai d'excellentes relations à la brigade des jeux, alors je vous conseille de déguerpir si vous ne voulez pas avoir d'embrouille. C'est des menaces, ça? En tout cas, c'est pas un compliment. Non, mais tu sais, vraiment, je t'aime bien. Mais là, tu commences à me gaver. Tu vois, nous, on est la police judiciaire et on a une jolie commission rogatoire signée du juge d'instruction ici présent. Et moi, j'ai le droit de soulever chaque pouce de moquette pour voir s'il n'y a pas un cadavre planqué dessous. Bien sûr, ici, c'est un peu crade, mais à côté...
Bon, Benamou, tu retournes au salon, tu me découpes tous en petits morceaux. Oh ben c'est dommage, c'est de la pure laine. Attendez, on peut discuter. Ben, ouais. ça tombe bien, on est là pour ça. Pas mal. Ah, c'est de la contrebande, mais elle n'est pas trafiquée. Vous connaissiez bien Baretti ? Ah oui, c'est un client régulier, pas d'éclat, jamais d'embrouille. Sauf qu'il peut mettre au sous-pognon. Oui, ces temps-ci, il avait eu quelques soucis. Il traversait une mauvaise période, une série noire, pour ainsi dire. Il devait du pognon à pas mal de gens. Beaucoup de pognon ? Ah, 50 plaques. Oh, mais de là, se faire buter, c'est pas du tout le genre de la maison. Attends un peu, 50 plaques, il y a peut-être des gens que ça rendrait nerveux, non ? Non, je vois pas. Tu vas pas nous faire avaler cette daube ? C'est vrai, jusqu'à présent, c'était très bien, mais là, on est un peu déçus. Ben, je vous jure que j'ai rien à dire, moi. Alors, bon, voilà qui jure, maintenant. Commissaire ? Monsieur le juge ? Voulez-vous avoir l'amabilité d'arrêter monsieur ? Avec ou sans ménagement ? Oh, je vous laisse le soin d'apprécier. Bon, ok, ok. Y a un type qui avait menacé de le buter s'il remboursait pas tout de suite. C'est qui ? Ferrec, Xavier Ferrec. Vous le trouverez chez ses régulières. Et elle a un nom, cette vénarde ? Oui, oui, elle s'appelle Manon Van Linden. Enfin, peut-être qu'il bluffait, hein ? Eh, ben, on va aller lui demander. Comme ça, on y verra plus clair. Merci pour la grappin. Dites que vous en voulez une bouteille ? Corruption de fonctionnaire. Allez. Portal, trouve-moi au niche une certaine Manon Van Linden. Manon Van Linden. Regarde aussi si t'as pas un dossier sur Xavier Ferrec, suspecté du meurtre de Baretti. Oui, je sais l'heure qu'il est, et alors ? Ah, bien. Allez, vas-y, on roule. Bonjour. Merci. Toute une nuit à poireauter. Mon chat qui a rien à bouffer. Tu peux rien, on peut pas le choper avant 6 heures du matin. Ah, mais si le chat il crève, c'est mon ex qui me tue. Oh, elle va pas te lâcher un peu avec son foutu chat, hein. Si vous voulez lui expliquer, moi, j'y arrive pas. Et non, au fait, t'étais où hier ? J'ai essayé de t'appeler, ton portable était toujours coupé. Hein ? Non, j'avais du boulot, là. Hein ? Quel genre de boulot ? Rien d'important. Bon, allez, non, il est 6 heures, on se le fait, ce crâne ? Allez. Non, attends, c'est pas comme ça. Bah. Non, mais regarde, regarde sur l'heure. Va voir. Ah oui. Ah, ne bouge plus. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Police ! Vous avez fait avec, c'est bien vous ? Oui, oui. Bonjour, monsieur. Et qu'est-ce qui se passe ? Attention, vous marchez sur les pieds. Voilà, bougez plus. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Bah, ça est une un peu longue à vous expliquer, mais je peux déjà vous dire la chute. Tu ramasses les affaires et vous nous suivez gentiment. Et de quel droit, s'il vous plaît ? Monsieur le juge. Un mandat d'amener, vous savez ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attendez, je veux téléphoner à mon avocat. Non, attendez, mon vieux, attendez d'être en garde à vue. C'est quoi, ça ? Est-ce que je sais, moi ? Eh, voilà qu'on est tombé sur un amnésique. Bah, allez, on embarque tout ça, parce que je commence à fatiguer, moi. Bah, regardez ce que j'ai trouvé. Bah, les pattes. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on embarque aussi, ça fera un blow. Mais oh, je peux me fringuer au moins ? Bah oui, eh, vaut mieux, parce que dehors, il fait moins chaud que là-dedans. Hein. Oui. Mais bon Dieu, tout le monde t'a vu jouer avec lui ! Baresi ? Ah non, ça je connais pas. Baretti ? Baretti ? Je connais pas non plus. T'aimes la plaisanterie, mais ça tombe bien, parce que je vais te raconter une bonne... fatigué, commissaire. Faudrait vous reposer un peu. Bon d'accord, je vous le laisse. Prenez-en soin. Il est toujours comme ça ? Seulement quand on l'échauffe. Bon, écoutez-moi bien, Ferrec. On va se dire les choses franchement. Pour l'instant, je vous interroge à titre de témoin. Mais si vous continuez de nier connaître Baretti, je vous fais mettre en examen pour faux témoignage. Alors choisissez. Moi, je connais Baretti, bien sûr. Eh ben voilà. Vous le connaissiez comment ? Partenaire de jeu. Et vous devez de l'argent ? Oui, comme à tout le monde. Oui, simplement, tout le monde n'a pas menacé publiquement de lui régler son compte. J'ai jamais dit ça. On parie. Oh, peut-être sous le coup de la colère. C'est souvent comme ça qu'on tue quelqu'un.
Mais j'avais aucune raison de le tuer. Il m'avait promis de me rembourser avant la fin de la semaine. Et vous, vous l'avez cru? Pourquoi pas? Parce que 500 000 francs, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. J'avais de bonnes raisons de le croire. Et puis, de toutes les façons, j'ai un alibi. J'étais avec mademoiselle ce soir-là. C'est vrai, ça? Il était peut-être avec une fille, mais certainement pas avec moi. Je m'en souviendrai. Vous notez ça, mademoiselle? Salope. Taisez-vous, Férec. Je veux bien lui servir de bouillotte, mais certainement pas d'alibi. C'est un malade, ce type. Un vicieux. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les cartes. Les filles, il s'en fout. Il a tort. La vérité, c'est qu'il avait le Baretti plein feu dans le collimateur. Alors, ça m'étonnerait pas qu'il ait fini par le buter. Mais vous n'allez pas écouter ce qu'elle raconte. C'est n'importe quoi. Écoutez, c'est moi qui dirige cet interrogatoire. Compris? Et toc. Eh ben... Je t'ai appelé dès que les flics sont partis. Qu'est-ce que tu leur as dit? Le minimum. Eh ben, t'as bien fait. Tu dois faire gaffe, Lansac. Ils viendront bientôt renifler par chez toi. Tout ça, c'est de ta faute. Je te parle. Mais je te promets que j'ai rien dit. T'avais déjà promis de ne plus jamais laisser Baretti approcher d'une table de jeu. Si t'avais tenu ta parole, j'aurais pas eu le descendre. Je te parle! Mais Baretti était cinglé. Ici ou ailleurs, il aurait trouvé le moyen de flamber son pognon. Mais... Alors autant que ce soit chez toi. Hein? Je te dis qu'il aurait flambé son pognon n'importe où. Hey, si ça se trouve maintenant, il est en train de faire un pack avec le diable. C'est joli chez toi. Si c'est vrai, ça me plaît, ça fait classe, ça fait raffiné. Pas vrai? Bon, écoute-moi bien, du coup. Si jamais les flics remontent jusqu'à moi, je vous le fais à ta boutique. Pigé? Pigé? Parfait. Allez, on s'en va. Bonne journée. Alors? Alors, on n'a aucune preuve que ce type ait assassiné Baretti. Le flingue? Un petit calibre, rien à voir avec l'arme du crime. De toute façon, ça serait idiot de flinguer un type qui vous doit de l'argent. Bah ouais. Surtout s'il est sur un gros coup, et qu'il est sur le point d'éponger toutes ses dettes. Reste à savoir quel coup. Je suis sûr que Férec était au courant. Bon, ben, je vais le faire mettre en examen. Peut-être qu'il sera plus bavard si j'arrive à lui faire croire qu'il va payer pour le meurtre de Baretti. Il y a un gros poisson là-dessous. C'est lui que je veux coincer. Laisse-le mariner un peu en garde à vue. Il sera plus tendre à croquer. Papa. Eh? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier Madestan? Ah non, ça va pas recommencer. J'ai demandé une copie du dossier. Tu as fait quoi? C'est une affaire assez banale. Un hold-up avec prise d'otage. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Attends. Un flic est mort pendant le casse. Tu le connaissais? Je vais te dire une chose, Bruno. Tu ferais mieux de te mêler de ce qui te regarde. Eh bien, justement, tu vois, ça me regarde. Parce que depuis quelque temps, le commissaire Cordier navigue largement à côté de ses pompes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que tu rumines cette affaire, tu oublies que nous enquêtons sur le meurtre de Baretti. Je fais mal mon boulot, c'est ça. Bon sang, mais qu'est-ce qui te rend si nerveux? Nerveux, moi? Oui, et je suis poli. Là, Bruno, je te conseille de sortir de ma vue parce que là. Bon, très bien. Alors ne compte pas sur moi si tu te fous dans le pétrin. Ça s'est très bien passé. Ils veulent que je leur prépare un dossier avec mes photos. Et puis alors, si ça leur plaît, ça va être à mon tour de voyager. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis inquiète, Myriam. Pourquoi? Je sais pas ce qui se passe avec Michel. Il devient brutal, imprévisible. Des fois, je le reconnais plus. Bon, c'est classique. Un coup de cafard après les noces. Non, c'est pas ça. Ben, c'est quoi alors? Depuis qu'on est en France, c'est plus le même. Il a toujours eu un côté mystérieux, mais... Là, je le reconnais plus. En fait, j'ai pratiquement rien de son passé. Il me dit que sa vie commence le jour où on s'est rencontrés. Tu déconnes. Il t'a forcément parlé de sa vie. Enfin, tu lui as posé des questions, au moins. Oui. Enfin, pas vraiment. T'as pas cherché à savoir? Pourquoi faire? On était bien comme ça. C'est bon, je peux m'en aller maintenant.
Pas un seul coup au but. Faut le faire. Ben, je l'ai fait. Vous avez tort de prendre ça à la légère. Ce qui se passe ici peut très bien se passer dehors. Désolé, mais depuis que je fourchais des malfaiteurs, j'en ai jamais rencontré qui fassent 3 mm d'épaisseur. Ne faites pas l'idiot cordier, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est pas avec un flingue qu'on capture les truands, c'est avec sa tête. Les criminels ont changé. Les cités sont pleines de gosses armés qui se croient dans un film américain. Mais ce qui change pas, c'est la nature humaine. Et ça, c'est mon rayon. C'est ce que vous croyez, cordier. Et là, vous prenez un gros risque. Votre problème, commissaire, c'est que vous souffrez d'un complexe de supériorité. Et quand les flics se croient infaillibles, ils commencent à faire des conneries. Pas mal, la gamine, hein? Et celle-là, c'est sûrement un bon coup, hein? Attends, on va rire. Attends, t'es dans. Je vais corriger ta position, par contre, hein? Écarte un peu les jambes, voilà. Baisse-toi. Voilà, redresse la tête. C'est bien. Retiens ta respiration. Pas mal, hein? Pigé. Hé, ça te dirait pas de passer la nuit avec un tireur d'élite? Désolée, j'ai d'autres projets. D'accord. Bravo pour ta démonstration de close combat. Oh bah, il l'avait bien cherché. Non, c'est vrai, non? Ils nous prennent pour qui? Des ringards? Vous m'aviez demandé d'enquêter sur Michel Becker. Et alors? Ah, apparemment, Becker, c'est monsieur propre. Un mari dévoué, un employé modèle. Que ce soit son patron ou ses voisins, tout le monde trouve que c'est un type remarquable. Ah. Et c'est tout? Pas de dossier? Pas de trace de lui avant son arrivée en France. En fait, on a trace de lui nulle part. Pour la bonne et simple raison que Michel Becker vit sous une fausse identité. Bon Dieu. C'est bien ma destin. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Plus tard. Ah non, hein. Non, non, vous pouvez pas me laisser comme ça, hors du coup. Vous avez plus confiance ou quoi? Mais t'as raison, hein. Je déconne. Hein. Voilà. Il y a 15 ans, la PJ enquêtait sur les truands qui étaient sur le point de commettre un hold-up. Un flic s'était infiltré dans la bande. L'inspecteur Genet. Et un vieux copain. Un frère. Alors, je sais pas comment ça s'est passé, mais il a été démasqué. Le cas s'est mal tourné. Il a été liquidé avec une sauvagerie terrifiante. Les truands nous ont échappé. Sauf un. Becker. Alias Madestan qui a payé pour les autres. Vous êtes sûr que c'est bien lui? Oui. Plus âgé. Mais j'en suis sûr. Mais c'est lui qui a tué le flic? Les enquêteurs prétendaient que non. Et Becker a jamais donné le nom du vrai coupable. À l'époque, le juge m'avait écarté de l'enquête. Mais cette fois, Becker va parler. Je n'aime pas du tout cette histoire. Ah non, moi non plus. Mais va l'empêcher. Bon, très bien. Alors résumons-nous. Mademoiselle Lecoeur, pouvez-vous nous relire la déposition de Mademoiselle Van Linden? Manon. Il était peut-être avec une fille, mais certainement pas avec moi. Je m'en souviendrai. Je veux bien lui servir de bouillotte, mais certainement pas d'alibi. C'est ça. La vérité, c'est qu'il avait Barretti plein feu dans le collimateur. Alors, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait fini par le buter. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Ferrec? Des conneries. Tu parles. Bon, bah, si vous continuez comme ça, vous allez vous retrouver aux assises. Mais puisque je vous dis que je ne l'ai pas tué... Tant mieux pour vous. Mais il faudra convaincre le jury. Qu'est-ce que vous savez, Ferrec? Barretti était sur un coup avec un certain Lansac. C'est ce qu'il m'a avoué pour me faire patienter. Un casse? Ça, j'en sais rien. Très bien, vous êtes libre. Hein? Mais j'ai jamais pensé que vous étiez coupable. Attendez, vous n'allez pas me laisser repartir comme ça. Si jamais Lansac apprend que c'est moi qui l'ai balancé, j'existe plus. Vous voulez pas me dire que vous voulez que je vous mette en détention? Ah ben, je préférerais, en tous les cas, jusqu'à ce que vous ayez mis Lansac au frais. Insultez-moi. Pardon? Allez-y, insultez-moi. Crétin? Vous avez rien de mieux? Gros connard! Bon ben ça va, ça va. Vous avez noté, Amélie? Monsieur Ferrec, je vais vous faire mettre en examen pour outrage à magistrat. Je vous remercie, monsieur le juge. Il n'y a pas de quoi, Ferrec. Emmenez monsieur au dépôt. Très bien. Vous voulez un mandat d'amener au nom de Lansac? Amélie? Vous ne m'aviez pas dit que vous lisiez dans mes pensées? Seulement dans les vôtres, monsieur le juge. Ah ben, faudra que je me méfie. Je peux m'en aller maintenant? Oui, mais je vous demanderai de rester à la disposition de la justice. Bien sûr, monsieur le juge. Avec plaisir.
T'appelles le SRPJ ? Oui. Excusez-moi, est-ce que c'est ici pour la carte de séjour ? Non, mais vous suivez, monsieur, là ? Oui, ah, non, mais c'est que là, ça fait une heure, j'attends, moi. Oui, inspecteur Fantage, j'écoute. Oui, je voudrais parler au commissaire. Non, désolé, le commissaire est introuvable. Alors passez-moi l'inspecteur Benhamou. Bah, il est jeune. Bon. Vous prenez un brigadier et vous allez me chercher un certain Gabriel Lansac. Moi ? Je peux pas quitter les gens du bureau comme ça. Lansac, L-A-N-S-A-C. Ça va plus vite que ça, Portal. Bien, monsieur le juge. Celui-là... Et vous, venez avec moi. Allez. Mais il y a tous ces gens qui attendent. Oui, ben ils reviendront demain. Oui, si, c'est ça. C'est bien, c'est pas possible, ça. Non, mais attendez, on a que ça à faire. Ben, hein, ben ouais, c'est ça. Bonjour, Médestan. On a des choses à se raconter, Médestan. Il n'y a plus de Médestan, vous comprenez ça ? Médestan, j'ai oublié, il est resté dans sa prison. Et l'inspecteur Genet au cimetière ? J'ai payé pour mes conneries. Maintenant, je ne dois plus rien à personne. Si. Tu me dois la vérité. C'est du passé, tout ça. Pas pour moi. Foutez-moi la paix. Je te lâcherai pas, je te préviens. Écoutez-moi, j'ai mis 5 ans à me reconstruire une vie. 5 ans pour partir de zéro et devenir un homme respectable. Alors je vous préviens, je ne laisserai pas bousiller ça. Qui a tué Genet ? Qui ? Si je vous le dis, je suis mort. On s'en verra. Lâchez-moi, sinon je porte plainte. Je ne comprends pas, inspecteur. On ne vous demande pas de comprendre, on vous demande de remplir un papier. Alors maintenant, vous allez m'expliquer pourquoi vous m'avez amené ici. Alors, moi, je ne suis qu'un fonctionnaire, mais vous demandez tout ça au juge. D'ailleurs, le voilà. Monsieur le juge ? Ah, ça. Oui, commissaire. Il n'est pas rentré, mais j'ai votre client qui est là. Vous êtes bien monsieur Lansac, Gabriel ? Lui-même. Bien, venez avec moi. Portal, tâchez de mettre la main sur le commissaire Cordier, vous lui remettrez ça de ma part. Non, je suis désolé, mais je vous répète que je ne connais pas ce... Comment déjà ? Baretti. Gino Baretti. Un habitué des tables de jeu. Oh, bah, je ne fréquente jamais les tables de jeu. Je connais le prix de l'argent et je ne vais pas le dilapider d'une manière aussi futile. Et bien sûr, vous ignorez totalement quel genre de méfait Baretti s'apprêtait à commettre. Mais en fait, je ne comprends même pas comment mon nom a pu être cité dans une affaire aussi regrettable. Oh, ouais. Histoire de meurtre, moi. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ? J'interroge un suspect. Au cas où tu l'aurais oublié, nous avons une enquête en cours. Oui, ça va, je suis au courant. Bon sang, mais t'étais où ? Tu te rends compte de la merde dans laquelle tu m'as foutu ? Je demande qu'on t'appelle un suspect, le commissaire est adjoint. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Oh non. Viens, faut que je te parle. Si je t'ai délivré une commission rogatoire, c'est pour que tu m'aides à coincer l'assassin de Baretti. Mais si l'affaire t'intéresse pas, alors tu le dis tout de suite. Parce qu'il y a plein de flics compétents qui seraient ravis de faire ce boulot. Bruno, je veux que tu rouvres l'enquête sur l'assassinat de l'inspecteur Genet. Attends, tu répètes, j'ai pas bien entendu. J'ai retrouvé ma destin. Je veux que tu me donnes les moyens de le faire parler. Non, mais tu dérailles complètement. On ne revient jamais sur la chose jugée, c'est un principe élémentaire du droit. Le dossier Madestan est clos, je ne peux rien faire contre lui. Je suis sûr qu'il va me donner le nom de l'assassin. Et qu'est-ce que tu vas faire pour ça, hein ? Madestan a payé, t'as pas le droit de lui pourrir la vie. L'affaire est terminée. Pas pour moi. Non, mais t'es malade, faut te soigner. C'est ça, c'est ça. Pourquoi tu te planques toujours derrière ton foutu code pénal ? Figure-toi que mon boulot, c'est aussi de protéger les types comme Madestan contre les délires d'un flic psychopathe. Tu veux savoir la vérité ? Dis toujours. Le jour du braquage, c'est moi qui aurais dû prendre la balle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que c'est moi qui devais infiltrer la bande pour qu'on les coince en flagrant délit. Tout était prévu. Je devais renseigner les braqueurs et les faire tomber dans le piège. Mais quelques jours avant le début de l'opération, tu t'es fait renverser par une voiture. Tu te rappelles ? Tu parles, ouais. Hmm. Alors, comme j'étais à ton chevet, mon vieux copain Genet a tout de suite proposé de me remplacer sur l'affaire. Mais ça a foiré. Voilà, c'était un geste d'amitié. Il a payé de sa vie. Alors,
Ça fait des années que je traîne sa mort comme ça, accroché dans un coin de ma conscience. Je me disais, je pourrais plus dormir avant de retrouver l'assassin. Puis ça m'est revenu. Mais pas l'oubli, Bruno. Pas l'oubli. Le temps a passé, papa. Ma destin a droit à une seconde chance. Mais t'as peut-être raison. Commissaire, l'inspecteur Portal m'a remis ça pour vous. Ça vient de chez moi. Ça concerne l'affaire Baretti. Hein ? Ferrin qui a parlé ? Juste assez pour nous dire qu'avant de nous quitter prématurément, Baretti préparait un gros coup sous les ordres d'un certain Lansac. Je vais te le coincer. Non, non, mais c'est pas la peine. Il est déjà dans ton bureau, il attend la fin de son interrogatoire. Voilà, tu me le laisses, je t'en prie. Ça te fait plaisir ? Devine. Alors vas-y, défoule-toi. Dis donc, joue pas la grande muette. Parce que là, la pression commence à monter. Ah bah, prenez un verre d'eau, ça vous fera du bien. Attention, te fous pas de moi, hein. Ça me serait jamais venu à l'idée, commissaire. Non. Qu'est-ce que tu te ramènes avec Baretti ? J'ai déjà dit à ce monsieur que je ne connaissais pas Baretti. Non, mais attends. Tu sais que t'as un dossier chez nous, là. Oui, alors, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que t'es pas du genre à tomber dans les pommes quand ça saigne. Attention, commissaire, vous n'avez pas de preuves contre moi, ce qui signifie que vos propos sont à la limite de la diffamation. C'est vrai, vous devriez vous excuser, commissaire. Non, non, je suis désolé, c'est un moment d'égarement. Je ne connaissais pas Baretti, point final. Et c'est sûrement pas vous qui viendrez me prouver le contraire. Très bien, alors excusez-nous de vous avoir dérangé si longtemps. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le juge. Commissaire. Dans la famille des menteurs, je voudrais le chef des brigands. Qu'est-ce que t'as sur lui ? Pas grand-chose. Ça, c'est le genre de truand qui ne se salit jamais les mains. Il doit commander une armée de sous-fifs qui trinque à sa place quand les choses tournent mal. Ouais. Baretti a dû le doubler pour régler ses dettes de jeu et Lansac l'a liquidé. Tu veux qu'on jette un coup d'œil au dossier ? Non. J'ai un rendez-vous que je remets depuis trop longtemps. Attention, il est chaud. Je suis contente que tu sois venue. Comment vas-tu ? Je m'en sors. Les enfants m'aident un peu, ça va pas si mal. Et toi ? Bon, tu sais, une vie de flic, hein. Oui. Je sais. C'est pas que j'ai envie de remuer de mauvais souvenirs, mais... Je me sens tellement bizarre. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Moi ? J'ai retrouvé Michel Madestan. Il a changé de nom, il a épousé une amie de Myriam. Au début, j'ai cru que j'arriverais à lui faire avouer le nom de l'assassin. Et aujourd'hui, je ne sais plus. Bruno veut que je laisse tomber. Mais toi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Tu sais, ça prend du temps pour oublier. La vie s'est écoulée sans que je me rende compte. Comme si le temps me passait à travers. Et quand j'ai retrouvé assez de force pour me reprendre en main, les enfants étaient déjà grands, je les avais pas vus s'en aller. Faut laisser dormir les morts. Tout ça, c'est ma faute. Non. C'est pas toi le coupable. Tu sais, même quand j'étais au fin fond de la déprime, j'ai jamais souhaité que tu sois mort à sa place. Ce que je veux maintenant, c'est la paix, le silence. Là, vous voyez, vous avez eu une hésitation. Mais pas du tout. C'est dur pour vous d'admettre l'échec.
Attendez, attendez. J'ai mis 2 secondes de trop pour sortir les menottes. Vous n'allez pas m'en faire la une du 20h, non? Eh ben justement, 2 secondes, c'est beaucoup quand on doit maîtriser un individu dangereux. Bon, ok, ok. La prochaine fois, je vous le fais en 2/10, ça vous va? Ah, ce n'est pas pour nous que vous le faites. C'est pour vous. C'est pas bientôt fini, ce genre de conneries. Vous avez des choses plus importantes à faire? C'est ça, je dois nourrir mon chat. Votre chat? Oui, enfin, celui de ma femme. Elle ne peut pas s'en occuper elle-même? Ça leur est du mal, vu qu'elle est partie. Elle vous a quitté en vous laissant le chat. Tu parles d'un cadeau? Vous détestez ce chat. Je peux pas le blairer. C'est peut-être votre femme que vous détestez à travers lui. Je sais pas. Faut dire, c'était pas de tourpeau. Je faisais jamais rien de bien. Comme avec votre mère. Ah, je vous interdis de parler de ma mère, hein? Ce n'est pas moi qui en parle. C'est vous. Vous pouvez pas le faire taire. Philippe, vous êtes un bon flic. La barrière est dans votre tête. Ouais. Ça va, Philippe? Fous-moi la paix, tu veux. Bon, Léna, je te promets, on se fait un super biberon dès que j'ai terminé ça, ok? Sophie Becker? Oui. Enchantée de vous rencontrer. Je suis un vieil ami de Michel, il n'est pas là? Non, 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 il est encore à son travail. Ah. Et toi, tu dois être Léna? Oui. Elle est adorable. Merci. Excusez-nous, on est en plein travail. Oui. Je vous offre quelque chose à boire? Bien entier. Porto? Parfait. Je vous en prie, asseyez-vous. Mon ami ne s'assied jamais, il ne boit pas non plus. Vous connaissez Michel depuis longtemps? Très longtemps. Avant qu'il parte à l'étranger? Bien sûr, nous avons travaillé ensemble. Michel est un homme très compétent. Mmh. Et quel genre de travail? Dans la chimie, c'est ça? C'est à peu près ça. Il ne vous en a jamais parlé. Pas vraiment. Vous savez, il y a des choses qui glissent dans le flot du temps. Quelle chose? Ça, c'est à Michel de vous le dire. Mais qui êtes-vous exactement? Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Mon ami n'aime pas le bleu. Attends un peu, ma belle, tu vois comment on va te décorer ton petit intérieur. Tu en as encore pour longtemps? Oui, maman. Mais enfin, ça fait 2 heures que tu t'abîmes les yeux là-dessus. Ce dossier est trop important pour moi, j'ai pas le droit de me planter. Et je récupère ma table quand? Écoute, si je décroche ce boulot, je pars à l'autre bout du monde. Tu seras contente? Tu ne te plais pas ici, hein? C'est ça? Tu peux pas me laisser travailler. Sophie, qu'est-ce qui s'est passé? Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Je m'occupe de l'enfant, je Sophie. Je comprends pas, mais dis-moi ce qui s'est passé. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous allez où comme ça? Je vous en pose des questions. Sortez d'ici! Myriam? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Je vois que t'enquêtes sur le terrain. Non mais de quoi je me mêle? Non mais comment tu m'as retrouvée? J'ai cuisiné Amélie. Elle a fini par me lâcher que je te trouverai certainement avec mademoiselle. Amélie? Mais comment elle a su? L'intuition féminine, ça te dit quelque chose? Hé hey Bruno, qui c'est cette meuf? Non t'inquiète pas, c'est ma sœur. Oui c'est ça, ouais. Ça on me l'a déjà fait, tu vois. Oui, sauf que cette fois-ci c'est vrai. Alors vous êtes gentille et vous nous foutez la paix. Bon, Manon, s'il te plaît. M'en reparlera. Bon, maintenant tu vas me dire ce qu'il y a. 2 salons ont tout cassé chez Sophie Becker. Et Sophie? Elle a que quelques hématomes, mais elle est complètement choquée. Bruno, tu vas me dire ce qui se passe. Bruno, qu'est-ce qui se passe? Bon. Tu le gardes pour toi, ok?
En vérité, Becker s'appelle Madestan. C'est un ancien braqueur. Le mari de Sophie, un truand? Tu plaisantes? Pas du tout. Il s'est fait coincer il y a 15 ans dans une affaire de hold-up. Papa l'a reconnu quand il est venu te chercher au mariage. Et pourquoi il m'a rien dit? D'abord, il n'est pas obligé de tout te dire. Et puis, il en a fait une affaire personnelle. Et Sophie, dans tout ça? Vous y avez pensé? Où est-ce qu'elle est? Chez nous. Ouais. Ouais. D'accord, je m'en occupe immédiatement. Mais oui. Oui, allô? Ah non, ben Amou, je l'ai pas vu de l'après-midi. Je trouverai là. C'est l'instinct du limier. Oui, oh, te fous pas de ma gueule, hein. J'en ai marre, je quitte. Puis tu seras grand. Non, la vie de fixe, c'est pas pour moi. Bougez pas, je vais faire le plein. Vous buvez quelque chose? Tu vas pas me dire que c'est du mal qui t'a collé ces conneries là dans la tête? De toute façon, j'ai tout raté. Oui, bon, arrête, ça suffit de me le planer, hein. J'ai besoin de toi pour assurer la protection de Sophie Becker. Mais n'importe qui ferait mieux à faire que moi. Ah. Et moi, c'est toi que je veux. Ah. Alors, t'excuses un grand tonneau de flotte et tu files chercher ton pétard. Exécution. Bon. Oui, bon. Et quand t'as du mal, fais-moi confiance, je lui réglerai son compte en temps voulu. Madestan. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous donner des nouvelles de votre famille. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Elles sont à l'abri. Faut pas que ce salaud les retrouve. J'ai mes hommes sur le coup. Ils n'ont pas été de main morte, hein. Je crois qu'il est temps qu'on se parle. Je crois. Qui était derrière ce braquage? Lansac. Lansac. Non. J'imagine que Baretti, ça te dit quelque chose. Pour les explosifs, c'est Gino qui m'a tout appris. On était comme deux frères. On traversait une mauvaise période quand Lansac nous a recrutés. C'était lui le cerveau de l'affaire, un coup facile. Enfin, c'est ce qu'il nous disait. Et puis, Lansac a découvert qu'il y avait un flic infiltré dans la bande. Il avait repéré le micro planqué sous sa chemise. Et quand le cas s'est foiré, il l'a massacré sans remords. Pourquoi t'as jamais donné le nom de l'assassin? Parce que je suis pas une balance. Et quoi t'as payé pour les autres? Je croyais que j'allais effacer l'ardoise. Quand ils m'ont lâché, je suis parti refaire ma vie en Argentine. C'est là que j'ai rencontré Sophie. Sans elle, je ne serais jamais revenu. J'y ai cru, vous savez. J'ai cru qu'on pouvait refaire sa vie. Mais c'est comme si le passé vous revenait toujours à la gueule. Je veux la peau de ce type. Il n'y a que toi qui peux m'aider à le coincer. C'est perdu pour moi. Je parlerai à Sophie. Elle comprendra. Qu'est-ce qu'elle comprendra? Vous pouvez me le dire. Vous avez qu'à vous mettre du côté du jardin là-bas. Vous postez là-bas.
Tout va bien là, chez moi. Ça va de ton côté? RAS, on reste en contact. Ah, bah mettez-vous par là. Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Rien. Comment ça, rien? Dans la maison est cernée par les flics. Ils sont là pour te protéger. Mais contre qui? À ton avis? Non, mais je sais pas. Mais c'est qui ces types qui sont venus tout saccager? Et Michel, qu'est-ce qu'il vient faire dans toute cette histoire? Myriam, réponds-moi! Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais la vérité. C'est pas à moi de te la dire. Michel, essaie de me parler l'autre jour, c'est moi qui l'en ai empêché. J'ai eu peur de ce qu'il allait dire. Mais là maintenant, c'est plus possible. Je t'en supplie, Myriam. Dis-moi ce qui se passe. T'es la seule à qui je peux demander ça. Ton mari s'appelle pas Michel Becker. Quoi? Il a été mêlé à une sale histoire il y a 15 ans. Et maintenant, ses anciens complices essaient de l'intimider pour qu'il retravaille avec eux. Non, je te crois pas. Mais tu m'as dit toi-même qu'il t'avait jamais parlé de son passé. Il m'a dit qu'il avait travaillé 10 ans sur une plateforme en mer du Nord. Oui. Bah en fait, il a passé 10 ans en tôle. Alors il m'a toujours menti? Il a tiré un trait sur tout ça. Je ne sais même pas le nom du père de mon enfant. Mais c'est plus le même homme. Il a tout recommencé avec toi. Mais c'est quoi ce cauchemar? C'est de la folie! Oui. Mais c'est le seul moyen. L'ansac s'est toujours planqué derrière des seconds couteaux. Si on veut le coincer, faut le pousser à la faute. Le serrer en flagrant délit. L'ansac est sur un coup, il a désespérément besoin de Becker pour le mener à bien. Si Becker accepte, avec lui, on a les moyens de le piéger. Mais non, pour ça, j'ai besoin de ton aval. Vous risquez votre peau sur ce coup. Si je bouge pas, c'est Sophie qui est en danger. Becker portera sur lui un micro à chef. On entendra tout ce que dira l'ansac. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre moyen. Bah non. Bon. Ok, j'accepte. Mais attention, commissaire. Pas de bavure. Bon, je file prévenir mes gars. On se retrouve au SRPJ. Vous avez encore besoin de moi? Non. Becker. Vous êtes bien sûr d'avoir dit toute la vérité? Je vous jure que je ne suis pour rien dans la mort de l'inspecteur Genet. Très bien. Au revoir, Becker. Bonne chance. Ça y est, j'y suis. Je vais rentrer. Gentil de répondre à mon invitation. Je suis venu. C'est bien ça que tu voulais? Oui, mais je pensais pas te voir si vite. Tu m'as pas laissé le choix. Allez, avance lentement. Les bras en l'air. T'es prudent, hein? Les flics sont après moi. Ah ben, t'as pas changé. Pas de flingue. À quoi bon, si on n'est pas sûr de tirer le premier? Je croyais que tu voulais plus faire d'affaires avec moi. J'ai réfléchi. Oui, bien sûr. Tu sais, je suis content que tu reviennes. On va faire du bon boulot, toi et moi. Comme autant de la belle équipe. Bah, il tire moins. Bah non, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Ce sont les cartes. Toi, tu vaux bien mieux que ça. Je déconne pas, bientôt tu seras riche. Tu pourras reprendre ta petite vie exactement où tu l'auras laissée. Tu veux que je te dise? Tu pourras même t'en payer une autre. Plus facile. Une vie, tu casseras la première occasion. Ah non, Michel, non. Après ce coup, j'arrête. Cette fois, je t'oublie, définitivement. Et si tu me fais le moindre coup de tordu, je te fais sauter la tête.
Oh ! Je t'ai jamais balancé. Eh ben, t'as raison. Bon, alors, c'est quoi ce plan ? Une banque ? Attends, là. D'abord, tu voulais pas l'entendre parler, maintenant, t'es pressé de savoir. Mais je t'ai dit qu'il n'y aurait pas d'embrouille. J'espère bien. Allez, viens. Préparer des plans. Je sais pas, t'as l'air fatigué, non ? Non. J'espère que t'as pas l'intention de faire le coup. Fumier, mais attends ! Non, mais c'est pas bientôt fini, mon compris. Si t'en... Comme ça, je le bute. Calme. Je vais prendre bien. J'entends plus rien. Merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Le chef de Becker a dû décrocher, ça doit être un problème de fréquence. C'est ça, votre équipement top niveau, bah bravo ! Le patron l'a commandé, mais le temps qu'il le livre... Hein. Ça qui est beaucoup trop méfiant, j'aime pas ça. S'il apprend que Becker le trahit, on va droit à la catastrophe. Au revoir, Régis. Au revoir. À demain. Je vous laisse fermer, Caron. Très bien, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée. Tu montes. Allez, tu montes. Ah, enfin. Je te présente notre ami Caron. Tu peux le saluer, il travaille avec nous. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, monsieur. Nous l'aimons beaucoup, notre ami Caron. Il travaille dans une société de bourse, un boulot honnête, une petite vie peinard. Seulement, voilà, il aime pas ça, Caron. Se lever tôt, besogner, prendre le métro, regarder le feuilleton à la télévision. Non, ce qu'il aime, c'est l'aventure, Caron. L'aventure, avec un grand A. J'ai toujours eu envie de voyager. Et il a toujours envie de voyager. Et pour ça, il va passer dans le camp du crime. Seulement, voilà, il a un peu la trouille, Caron. Il aime ça, pas vrai ? Explique à mon ami ce qu'il a besoin de savoir. Le coffre est au rez-de-chaussée. C'est là qu'on place les lingots. C'est un bernier à triple gâche. Il est protégé par un signal d'alarme. Mais j'ai un double de la clé qui permet de le neutraliser. En revanche, l'ouverture est commandée par un système électromagnétique pratiquement inviolable. Voilà. Et c'est là que tu interviens. Ta compétence en explosif nous sera très précieuse. C'est pas évident. Attends, je vais pas aller te chercher pour braquer une épicerie, hein. La pièce est bien étayée ? C'est un immeuble en pierre, les fondations sont solides. On peut envisager une attaque multiple. Il faudrait du Semtex et des détonateurs synchronisés. Tu les auras. Est-ce que tu vas les trouver ? Oh, tu poses toujours trop de questions, toi. T'as pas confiance ? Je me suis fait piéger une fois, pas deux. Excuse-moi. Et comment va-t-elle ? Pas très bien. Laura est avec elle. Il n'y a que la gamine qui peut la rassurer. Je ne voudrais pas être à sa place. C'est dur d'avaler 5 années de mensonges. Mais quel besoin il a eu d'aller déterrer cette affaire ? Ton père se laissait déborder par ses sentiments. Il aimait gêner comme un frère. Il aurait dû laisser tomber. Je ne peux pas lui reprocher ça. De toute façon, Becker ne pouvait pas échapper à son destin. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que t'as fait du micro ? Je l'ai balancé dans les chiottes avant que la réunion commence. L'ansac avait l'air trop confiant, alors je me suis méfié. Si je l'avais pas viré, j'étais mort. Exactement comme Genet. On peut pas continuer comme ça, c'est trop dangereux. Non, il faut faire ce flag. Sinon, l'ansac nous échappera une fois de plus. Le cas aura lieu vendredi soir. Il n'y aura que moi, l'ansac et son lieutenant dans la place. Voilà, ça y est. La machine est enclenchée. Il n'y a plus qu'à prendre l'ansac en flagrant délit. Non. Comment non ? Je vais voir Sophie. Pas maintenant. Vous la mettriez en danger. Oui, ça, c'est le plus sûr moyen de ramener l'ansac sur sa piste. Vous m'aviez juré de la protéger ? Ben oui, c'est pourquoi je ne veux pas prendre ce risque. Cordier, vendredi soir, je serai peut-être mort.
Alors laissez-moi la revoir avant. Bah écoute, non, là, je suis désolé, mais... Vous essayez de me dire qu'elle veut plus me voir, c'est ça? Laissez-lui un peu de temps. Du temps? Ça veut dire que ça. Tu crois qu'il ira jusqu'au bout? Bah, il le faut. Si tu te plantes, il y laisse sa peau. Je sais. Ouais, je prendrai le maximum de sécurité. Lance sac à la gâchette facile. Il va te falloir des flics parfaitement entraînés, des spécialistes. Patron? Qu'est-ce qui se passe encore? On vous cherche partout. C'est... Et qui? Dumas. Il a envoyé un fax au commissaire divisionnaire pour se plaindre officiellement de vos absences répétées aux séances de formation. Dumas. Bonne idée. J'avais fait pas de mal de se mouiller un peu la chemise. Je suis très honoré que vous ayez pensé à moi, commissaire. Mais... Est-ce qu'il y a un mais? Et comprenez-moi. Je serais très heureux de vous rendre ce service. Mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Oui, là, il s'agit d'une affaire criminelle. Je sais bien. Mais de toute façon, mon affectation au centre ne permet pas. Je demanderai personnellement au préfet de vous muter dans une brigade opérationnelle. C'est très aimable à vous. Je ne peux pas laisser mes stagiaires en plein cycle de formation, moi. Oui, je sais. Je sais. Mais j'ai bien réfléchi, Dumas. Vous êtes l'homme de la situation. Vous croyez? Ah oui. Oui. C'est une opération dangereuse. Il n'y a que vous qui puissiez l'assumer. À moins que... Vous vouliez rester planqué, bien au chaud. D'accord, Cordier. Je suis avec vous. J'en ai jamais douté, Dumas. Mais... Jamais. Au revoir, commissaire. Et Marc ! Marc, on nous attendra dehors avec la voiture. Même s'il est très bien dosé, l'explosion risque d'alerter le voisinage. Nous aurons donc moins de 5 minutes pour vider le coffre et nous barrer. Pour diminuer les risques, je déclencherai une attaque multiple, une série de petites explosions décalées qui entameront les points faibles du blindage. Alors attention, le Semtex est un produit très instable. Il faudra opérer avec la plus extrême prudence. Et surtout prendre le temps de bien doser les charges. Trop peu et l'explosion avertira les flics avant que le coffre ne s'ouvre. Trop et c'est tout l'immeuble qui nous tombe sur la tête. Charmant, hein? Bon! Eh ben maintenant, vous connaissez le programme, alors pas de conneries et vous serez bientôt une bande de richards. Allez, faites de beaux rêves. Tout va bien chez toi? Ouais, ouais, tout le monde dort. Te laisse pas gagner par l'ambiance. T'en fais pas, j'ai bu toute une thermos de café. Une petite canette? Tout va bien maintenant, tout va bien. Il faut que je te parle. Partons, Michel. Rentrons à Cordoba. J'ai eu tort de vouloir revenir ici. C'est trop tard, je veux plus me cacher. On peut tout recommencer. C'est impossible, Sophie. Partout, j'irai, Lansac me poursuivra. Et si c'est pas lui, ce sera son ombre.
Non, cette fois, je dois en finir. Reste vivant, Michel. Je veux te garder. Bon sang, vous étiez censé la surveiller. Je devais empêcher quelqu'un de rentrer, pas de sortir. Est-ce qu'on va pouvoir la trouver maintenant? Et laisse-moi aller rejoindre son mari. Pourquoi? C'est ce que je ferais à sa place. Non, mais dans ce cas-là, elle serait déjà rentrée. Elle n'aurait jamais laissé la gamine aussi longtemps. Mais reste tranquille. Elle sait que je m'en occupe, non? Viens. Je pense qu'on devrait arrêter l'opération. Moi, à votre place, inspecteur, j'arrêterai de penser. Et j'exécuterai les consignes. De toute façon, il est beaucoup trop tard. On n'a plus les moyens de joindre Becker. Salut, vieux. T'oublies pas de rentrer chez toi, hein. Je termine mes comptes et j'y vais. Toujours en train de bosser, toi. Ça te jouera des tours. Ah, vous ferez attention, j'ai laissé des papiers sur mon bureau. Oui, ne vous inquiétez pas, hein. Nerveux demain? Ça va aller. Ça doit vous plaire ici. Vous qui aimez le sport. Vas-y doucement. Oh, ouais, ça va, j'ai compris. Hein. Vous avez 15 minutes avant que l'alarme se réenclenche. Oui, bon, allez, on y va. Le chauffeur est garé devant le numéro 2. Tu le quittes pas les yeux. Bien reçu, patron. Pellamou, ça marche le commerce? Comme si, comme ça. Ça va bien, monsieur. Attention, le petit vient de sortir. Ok, je le ramène à la maison. Réverbère, journal des sans logis. On veut pas la réduire, la fracture sociale? C'est con, un peu, une fois que tu joues aux valeurs, directement à la case prison. Allez, joue! Le petit est dans la boîte. Mais grouille-toi, merde! Dans 10 minutes, l'alarme se réenclenche. Tu veux le faire à ma place? Dis un truc, commissaire. Allez-y. Oui. C'est ma première opération sur le terrain. Oui, oui, je le sais. Oui. Quoi? Oui, je le sais, j'ai lu votre dossier. Attendez. Non, je me suis dit que ça vous ferait du bien de prendre un peu d'exercice. Et surtout, déconne pas, hein. Oh, mais ça suffit maintenant! Ok, attention. On se pousse. Tenez-vous prêts. J'avais raison. T'es un grand artiste. Allez, dépêchons. Un moteur. Balcon. Donne-moi les clés. Ils sortent. Attention, on y va en douceur. Ok. Plus là, c'est ce fumier qui nous a donné. Arrête! Je bouge plus là, les mains en l'air.
baissez vos armes. Ou je fais un trou dans votre copain. Et quelle voiture, vite. Hein, Dumas. Dumas. Les lingots dans la voiture. Si vous nous suivez, les morts. Dumas. Je prends Bruno Roland et toi, et tant qu'il est derrière. Dégagez-le. Bellamois centrale, Bellamois centrale. Poursuite Peugeot 806 vers le périphérique. Ils viennent de tourner dans la rue Blaminck. Ils vont à l'usine. Là. On garde nos distances, pas question de se faire repérer. Tu as retrouvé ta bien-aimée. Quoi? Elle n'aurait jamais dû sortir de son trou, la petite. Vite! Ça suffit, maintenant tu descends. Michel! Qu'est-ce qui se passe? On a eu des soucis. Bah alors, il faut se casser d'ici. On va surveiller la voiture, il y a les lingots dedans. Moi, je m'occupe de ces deux-là. Attache-toi, vite! Vite! J'y vais. Attendez, c'est à moi de faire ça. Laissez tomber, Dumas. Non, ce qui est pour moi seul. Ça va pas, vous êtes fou, quoi. J'ai un ordre. Qui va mourir en premier? Toi? Ou alors, toi? Ah oui, c'est ça. Regarde la mourir. Mon sac. Tu devrais comprendre pourquoi t'aurais pas dû me balancer au flanc. Ne bouge pas, surtout ne bouge pas! Attention! Lâchez votre arme. Tu rigoles? Ça fait longtemps que j'attends ça. Si vous faites le moindre geste, je tire. Laissez tomber, Corbier. Vous êtes trop près de la retraite. Hein? Ce serait idiot. Tu m'as. Respire encore. Dumas. Oui. Oui, je sais, je sais. J'ai désobéi. Non, vous avez bien fait. Vous savez que vous venez de m'empêcher de faire une énorme connerie, là. J'ai pas vraiment pensé à ça. Je voudrais m'excuser de vous avoir traité comme ça. Je vous prenais pour un planqué, je me suis trompé. Gardez vos excuses, commissaire. Grâce à vous, pour la première fois, j'ai fait mon boulot de flic. Mais vous êtes un bon flic, Dumas, alors je vous en supplie, restez sur le terrain, arrêtez de nous gonfler avec vos belles théories. J'essaierai, Cordier. J'essaierai.
La course est finie, Lansac. Oh. C'est pas mon genre de courir. C'est vous qui avez tué Genet ? Ben quoi, c'était un flic ? Non, c'était un homme et vous l'avez fait mourir lentement. Vous savez qu'il prenait des risques. Comme Barretti, c'est ça ? Celui-là méritait 100 fois ce qu'il a enduré. Vous me dégoûtez, Lansac. Quand on me barre le chemin, je le dégage. Ce qui me rassure, c'est qu'avec ce genre de boniment, vous allez prendre le maximum aux assises. Et après ? Qu'est-ce que ça changera pour vous ? Et pour les autres, hein ? Ils sont crevés. Et ça, vous n'y changerez rien. Allez-y, ne vous gênez pas. Non. Je vous ferai pas ce plaisir. Monsieur le juge, le fourgon vient d'arriver. Vous avez trouvé le temps, long, croyez-moi. Ta robe. Cadeau. T'en auras plus besoin que moi. Oh, arrête. Ça veut dire qu'il faut que je me mette à cuisiner? Ah non. Ça y est. C'est bouclé. Alors c'est sûr? Vous voulez pas rester? Non, je crois que c'est mieux. Vous avez plus besoin de fuir maintenant, tu sais? Ouais, mais quand on est loin, c'est plus facile d'oublier. Et puis, Léna adore le soleil. Ah, si Léna adore le soleil. Ah, surtout, dis bien aux déménageurs de faire attention à la map monde. C'est promis. J'espère que vous serez heureux. Tu m'écris cette fois, hein? Promis, mais alors tu viens nous voir, hein? D'accord. Allez. Merci. Cinquante-huit, 59, yeah, 60. Pas mal pour un bureaucrate. Hein? Bon, je suis sûr qu'il y en a sauté quelques-unes. Alors ça, franchement, ça, c'est une attaque déloyale. Non, mais attention, la magistrature, c'est un métier dans lequel on engraisse facilement. Alors je demandais à Dumas de te concocter un bon petit programme d'entraînement. Excuse-moi, mais conformément aux directives du parquet, je m'entraîne régulièrement au tir. Et quand est-ce que tu as touché un pistolet pour la dernière fois? Eh ben, je m'en souviens pas. Allez, ouais. Les courriers, à table. De toute façon, je vois pas pourquoi je me fatiguerais à prendre le tir. C'est avec sa tête qu'on dénoue les affaires criminelles. Oui, ça c'est ce que je croyais, Bruno. Mais tu vois, on apprend tout âge et maintenant je peux t'affirmer que l'esprit va moins vite que les balles.